agraphone. Il cheminait hors des murs de Sion, Jésus et ses disciples, quand, soudain, vers l'heure du couchant, ils atteignirent le dépôt où, depuis des années, la cité jetait ses ordures, matelas brûlés de malades, vieilles nippes, tessons, rebuts, débris. Sur le tas le plus haut, les pattes tournées vers le ciel, le cadavre gonflé d'un chien que les corbeaux désertèrent en entendant marcher, exhalait une telle puanteur que tous les disciples, d'un seul mouvement, reculèrent, en retenant dans le creux de leurs mains leur haleine. Seul Jésus, avançant tranquille vers l'amas, s'arrêta et se mit à contempler la charogne au point qu'un des disciples ne put s'empêcher de lui crier de loin « Rabbi, comment restes-tu là à supporter l'affreuse odeur ?» Et lui, sans détourner la tête du point qu'il regardait, répondit « La puanteur, celui qui a le souffle pur, il la respire déjà dans la ville d'où nous venons. Mais ici, j'admire de toute mon âme ce qui échappe à la corruption. Regardez comment brillent au soleil les dents de ce chien, comme la grêle, comme le lys, au-delà de la putréfaction, promesse souveraine, reflet de l'éternel, mais encore cruel éclair de justice et espoir.